Ameria Radio presenta L'Opera. Buonasera e benvenuti all'Opera. Questa sera ascolteremo il dramma lirico in 5 atti di Charles Gounod, Faust. Personaggi e interpreti: Faust Nicolai Gedda, Margherita Mirella Freni, Mefistofele Roger Sawyer, Valentin Tom Kraus, Wagner Jean-Louis Saumagnat, Sibel René Auffan. Orchestra dell'Opera di Parigi, direttore Charles McCarras. Il tema, la leggenda del dottor Faust, risale al Medioevo ed è stata messa in letteratura da vari scrittori e musicata da molti compositori. Basti pensare al poema sinfonico di Berlioz o all'opera Mefistofele di Boito. Il modello letterario più famoso è quello di Goethe. Ha completato il suo Faust 50 anni prima della prima dell'opera di Gounod. La trama del Faust di Gounod è grosso modo paragonabile a quella di Goethe, ma senza avere la profondità filosofica e scientifica del modello letterario che spesso ha portato all'opera il rimprovero di superficialità. Il Faust di Gounod fu scritto nei decenni della Parigi del piacere, prima della guerra franco-tedesca. Il Faust di Gounod non è un uomo che si sforza di comprendere il mondo. Alla domanda di Mefisto su cosa si sforzi di fare, egli menziona i piaceri dell'amore. A moi le plaisir, le jeune maîtresse. Per Gounod, la tragedia di Marguerite è la storia più importante e la pone al centro della sua opera. In definitiva, Faust è una bella opera francese con l'intenzione di non portare troppa zavorra del modello letterario. Nel mondo dell'opera tedesca, quest'opera viene spesso chiamata Marguerite per distinguerla dal Faust di Goethe. Esistono due versioni del Faust. La versione originale, che fu scritta per Théâtre Lyrique, e la versione moderna fu adattata da Gounod 10 anni dopo per il Grand Opéra. Oltre ad ampliare le scene del balletto, questo includeva il cambiamento dei recitativi parlati in recitativi cantati e accompagnati. Tuttavia, il Faust non è divenuto un'opera classica del Grand Opéra. Fortunatamente, Gounod poteva fare a meno delle solite scene corali sovradimensionate, della musica da temporale, dei complicati conflitti politico-mondani. L'opera è in 5 atti e è ambientata nella Germania del XVI secolo. Nel primo atto, il vecchio dottor Faust, stanco della vita e delle delusioni ricevute dalla ricerca e dalla conoscenza, tenta il suicidio con il veleno. Il canto di un coro religioso lo interrompe ed egli invoca l'intervento del demonio, Mefistofele, che appare. Il diavolo si impegna a soddisfare i desideri di Faust se egli gli donerà l'anima. Faust acconsente, dopo aver visto l'immagine mostratagli da Mefistofele di una bellissima ragazza intenta a filare, Marguerite. Thank you.
la natura la crea assi non vuoi Occupa
Tu veux la gloire?
frisar chi l'ecco tiatus. Le jeune maîtresse, à moi leur caresse, à moi leur désir, à moi l'énergie, des effets puissants, et la polarchie du cœur en sens. Ardent aux jeunesses, à moi tes désirs, à moi ton ivresse, à moi ta plaisir. Or bien, je puis contenter ton caprice. Et que te donnerai-je en retour? Ici, je suis à ton service. Mais là-bas, tu seras au milieu. La jeunesse t'appelle, la regarde. Amen.
je la reverrai. Nel secondo atto, alle porte della città, Valentin parte per la guerra ed affida sua sorella Margherita all'amico Siebel. Mefistofele appare e canta una canzone. Mefistofele fa delle allusioni pesanti su Margherita e Valentin tenta di affrontarlo a duello con la spada, la quale va in frantumi. Valentin e il coro usano la croce dell'Elsa della loro spada contro quello che hanno capito essere una potenza infernale. Mefistofele si unisce a Faust e agli abitanti del villaggio nel ballo di un valzer. Marguerite, con vergogna, rifiuta l'abbraccio di Faust. Oh, fuck.
si balotte qui nous cherche sans doute. Le dernier coup, messieurs, et mes hommes farouques. As-tu donc quel regret attriste nos adieux? Comme vous, pour l'enfant, je vais quitter ces lieux. J'y laisse Marguerite, et pour veiller sur elle, ma mère n'est plus là. Nous voterons que
table et plus l'être beau. L'ange au fond d'une cave sous un vieux tonneau. Un chant. Arnaud. Hein? Armez-vous de grâce. Permettez-moi de faire place. Que votre ami d'abord achève sa chanson. Moi, je vous en promets plusieurs de ma façon. Une seule suffit, pourvu qu'elle soit bonne. Je ferai de mon mieux pour n'ennuyer personne. Connaissance, sa puissance, d'abonnement à l'autre mot. Et pour fêter la femme idole, rois et peuples confondus, au bruit sombre des écus, et dans cette une ronde folle, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Et Satan courut le bal, comme il dit le bal, et Satan courut. Il contemple l'ombrage étrange à ses pieds le genre humain se ruant le fer en main dans le sang et dans la pente. Où brille l'ardent métal, où brille l'ardent métal. Et Satan comme une balle, comme une balle. Et Satan comme une balle, comme une balle. Personnage, ferez-vous l'honneur de traquer avec vous volontiers. Oh, voici qui m'attriste pour vous. Vous voyez cette ligne? Eh bien, tâche présage. Vous vous ferez tuer remontant à l'assaut. Vous êtes un sorcier. Tout juste autant qu'il faut pour lire dans ta main que le sort ta couronne à ne plus toucher une fleur sans qu'elle se fane. Plus de bouquets à Marguerite, mon frère, il vous a dit son nom. Prenez garde, mon brave. Vous vous ferez tuer par quelqu'un que je sais. À votre santé! Permettez-moi de vous en offrir de ma cave. À boire. Approchez-vous, chacun sera servi, c'est vous. À la santé, que tout à l'heure vous partiez très amis. À Marguerite. Yeah.
terre l'est-ce que je meurs, oh non, pourquoi braver tout qui me menacer. Mon père, aux surprises, dans les airs se brise.
Sei mia madre e mia madre.
Nel terzo atto siamo nel giardino di fronte alla casa di Marguerite e Siebel, innamorato della ragazza, le porta un mazzo di fiori. Prima che la ragazza ritorni, arrivano anche Faust e Mefistofele, che lasciano un omaggio per Margherita. Quest'ultima arriva pensando al fugace incontro con Faust prima e si imbatte nei due regali, il mazzo di fiori e un pacchetto molto grande, che scopre, aprendolo, essere pieno di gioielli. Ritornano Mefistofele e Faust, mentre il diavolo si intrattiene con la vicina di casa Marthe. Faust e Marguerite, lasciati soli, si abbandonano l'uno all'altra, nonostante i primi tentennamenti della ragazza. Thank you.
rendez-moi là, cher docteur, pour tenir compagnie aux fleurs de votre élève. Je vais vous chercher un trésor plus merveilleux, plus riche encore que tout ce qu'elle doit vous rêver. Laisse-moi. Je vais. Daignez m'attendre ici. D'une âme innocente et digne.
voilà, si le bouquet le porte sur le crin, je consens à perdre mon pouvoir. Je ne veux jamais à le voir. Escrupule vous pardonne. Sur le seuil de la porte, voici le crin placé. Venez, j'ai bon espoir. Thank you.
Thank you.
Rejoins, s'il vous plaît. Qui m'appelle? Pardon, oserais-je nous présenter chez vous? Vous voyez qu'elle a fait bon accueil aux bijoux. Dame Marthe, chère Klein, me voici la nouvelle que j'apporte n'est pas pour vous mettre en gaieté. Votre mari, madame, est mort et vous saluez. Oh mon Dieu! Je perdis ma mère.
tendre, esquivant gros. La bonne est propre. Eh bien, elle est partie. Seigneur, oui. Cher Seigneur. Cette vieille impitoyable, de force ou de grille proie, allait épouser le diable. Sous la pâle clarté.
languesse d'eau. Sans ses plaisirs, ici, ici, je veux. Que de ta bouche à ma base. Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Il m'aime. Oui, trois ans de clair, éclose sous tes bras, qu'elle soit pour ton cœur, l'oracle du ciel. Thank you.
Nel quarto atto, dopo 5 mesi, Marguerite è in avanzato stato di gravidanza e viene abbandonata prima da Faust, poi dalla gente del villaggio, che inizia a mormorare su di lui. Solo Siebel le sta accanto. In chiesa Marguerite prova a pregare, ma è fermata da Mefistofele e da un gruppo di demoni che le impediscono di pregare e le annunciano la dannazione infernale. I soldati ritornano dalla guerra e Valentin chiede all'amico Siebel della sorella. Il ragazzo non ha il coraggio di raccontargli la verità e Valentin apprende da solo la condizione di Margherita e la vergogna della sua famiglia. La goccia che fa traboccare il vaso è il sentire di Mefistofele che, fuori casa, canta una serenata allusiva e volgare sotto la finestra di Margherita. Valentin esce, furibondo, volendo sfidare a duello chi ha oltraggiato la sua famiglia, ma finisce ucciso da Faust, che fugge con Mefistofele. Margherita accorre quando è troppo tardi e viene maledetta dal fratello moribondo. Thank you.
cette voix qui me parle dans l'ombre et qui me souffre et voilà tombe sur moi des Oh.
pour la tête. Oh, regarde le mien. Si est belle, explique-toi. Je vois que mes habits sont bas et que l'amour l'emporte. Mais pour vous faire ouvrir la porte, vous avez grand besoin du secours de ma voix. Voulez-vous, messieurs, pardon ?
camarade. Pardon, mais ce n'est pas pour vous qui de la sérénade. Écouterez quelques voix que le fait. Sa sœur, quelle mouche vous pique. Vous n'aimez donc pas la musique. Achez-vous-moi, achez, à qui de vous dois-je demander compte de mon malheur et de ma honte. Qui de vous n'est pas tombé sous mes coups. Vous la voulez. Sotto ma far fecore la son amore.
moi bien, Marguerite, ce qui doit arriver, arrive à l'heure dite, l'amour nous frappe quand il faut, et chacun au pays, au volonté, mauvaise voix, que bien je mène, ne travaillera plus, tu reviendras pour vivre dans la joie, et tout le devoir, et toutes les vertus. Sois la honte d'accord, la renonce de toi, mais à la pardonne, si Dieu te pardonne,
Nel quinto atto, sulle montagne del Harz, Mefistofele mostra a Faust il sabba infernale. Il dottore, tuttavia, ha una visione di Margherita e chiede di lei. La ragazza è stata incarcerata per aver ucciso il bambino avuto da Faust. Faust e il demonio entrano nella prigione di Margherita. La ragazza, tuttavia, pur essendo ancora innamorata, rifiuta di seguire Faust e invoca il perdono divino. La grazia, in attesa, arriva. Margherita viene redenta, mentre Mefistofele sprofonda ancora all'inferno. Thank you.
Thank you.
que suis moi, le repasse. Je m'abandonne, Dieu bon, je suis à toi.
Ameria Radio ha presentato l'opera